Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Borderland. Alors, nous sommes de retour dans les Arid Hills, nous sommes prêts à défoncer du Sky. Ah 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 ah, il y en a encore un à ma droite. Là. Je recharge, un instant. J'ai dit un instant. Il y a un truc qui m'empêche de reculer, ce serait pas un caillou. Hop. Alors il y a eu des changements encore faits dans le jeu. Faut savoir que le jeu est assez instable en soi au démarrage. Ce qui fait que j'ai dû refaire tous les paramètres graphiques et sonores du jeu. Je sais pas si ça va être pareil que sur les présentes vidéos, j'espère que ça va être pareil en tout cas. Très bien. La question c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux que je m'attaque à... Ouais. Ça a été finalement. Elle est bien celle-là. Ah, expertise de combat de Raphaël, Marcus Bonus est maintenant de niveau 3. Nice. On va donc être enfin... plus efficace, merci. On n'avait pas un troisième? Non. Que j'ai en deux, c'est quoi? Un fusil à pompe. Très bien. Dans l'idéal, ce serait qu'on ait toujours de quoi augmenter les dégâts de corps à corps. Ce serait vraiment très 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 pété. On va voir. Je ne sais pas si les stats des armes sont actives, quel que soit le moment. C'est-à-dire, par exemple, parce que j'ai des armes qui augmentent de 100% les dégâts de corps à corps, est-ce que c'est actif en permanence ou c'est quand j'utilise l'arme en question pour attaquer? Ha! Je suis complètement sourd hein, par rapport à ce que je fais. Qu'on soit bien d'accord, je suis sourd de chez sourd. Je n'entends strictement rien. Et on est bon. Play. Alors, dans l'idéal aussi, il nous faudrait, d'après ce que j'ai pu regarder sur les différentes marques. De bouclier, il nous faudrait du bouclier Torg en foison. Je sais pas ce qu'on a à l'heure actuelle. On a un Anshin à rechargement rapide. Les Torg en fait ils ont l'avantage d'augmenter votre barre de vie. Ce qui pour un personnage comme Brick qui est le tank un petit peu du jeu est extrêmement intéressant. Donc autant en profiter à fond. Salut. Toi aussi tu vas y avoir droit tu sais hein. Voilà. Hop là. Il y en a encore un mais... D'accord, on va attendre un petit peu. Voilà. Ah bah. Il n'y en avait pas que un. Autant pour moi. Dégage. Hop là. Allez bon. Et du coup on a gagné un level. Ce qui est très très bien. Qu'est-ce que c'est? Un Vladov à 133, bah écoutez, toujours en manque de pognon, hein, vous le savez. Hein. On n'a jamais assez d'argent. Réduit le temps de latence de la furie, ça va être extrêmement intéressant, je pense. De 6 secondes, ça permet d'enchaîner les ults beaucoup plus souvent. Et extrêmement, extrêmement intéressant. Ici, nous avons deux choses à faire. Hein. Récupérer le truc du sniper rifle. C'est par là-bas. Et ici... Ça va être de l'autre côté? Ouais, je m'en doute un petit peu. Très bien. Bon, on sait pas où qu'on va du coup. Et droit devant. Putain de rat. Allez, venez. Venez les filles, je vous attends moi. Appelez. Et ce jeu est bon, hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Faut que je pense à répondre à vos commentaires sur le premier épisode aussi. Je le ferai après, pendant le montage. En tout cas pendant le rendu. Waouh, salut toi! Tu sais quoi? T'as gagné. Non, t'es solide! Waouh, c'est quoi ça? Un brutal! Une putain de brutasse! Ouh! Peut-être mieux que ce que j'ai là, non? Pardon, ici? Ah! Considérons que c'est mieux.
m'intéresse beaucoup moins. Hop. Ah oui, c'est vrai, j'ai de quoi avoir un lance-roquette bientôt aussi, peut-être. On verra. On verra, ça me semble pas forcément aussi bien. Ok. Allez, roule ma poule. Alors, qu'est-ce que je ne sais pas sur la mission qu'il fallait que je fasse? Ok. Il est pas là? Ou alors faut que je les cherche dans la région peut-être? Je sais pas du tout. Quel truc. Ouh. Ok, ça vaut de l'argent, c'est très bien. Ça, ça fait moins de dégâts que le mien. Sur le papier en tout cas. On va le prendre. Les grenades aussi, les munitions pareil. Pourquoi est-ce que Mo et Marley n'apparaissent pas? Aha. Bon, on va partir du principe qu'ils ne montrent pas du tout où sont les mobs. Et que du coup, je vais aller d'abord commencer par aller chercher, on va dire, les trucs du snipe. Parce que s'ils sont par là-bas et qu'après ça me fait revenir par ici. Ou alors ça peut-être m'envoyer là-bas. Ouais, donc non, je vais continuer à chercher par ici. Autant pour moi. De toute façon, on va bien finir par tomber dessus. Là, par exemple, ça, ce serait bien Mo. Et là-bas, ce serait bien. Non, il n'y a que Mo. Très bien, il y a Mo. Au moins, il y a Mo. Vous voyez ce que je veux dire? Salut! Salut, Mo! Je sais pas où il est, mais il est là. Aïe. Ok, il envoie des trucs de feu à la con. Et là, il y a Marley, très bien. Donc je suis mort en fait. Mettons les choses au clair, je suis mort. Non ? Aïe. Ok. Ils sont tous derrière moi. Hein. C'est un problème. En plus, je ne cours pas plus vite que ça. Et ils me touchent quand même. Salut toi. Pourquoi il a de la régène lui? Pourquoi t'as de la régène, Mo? Mo, je t'aime pas. Non, Mo, en vrai, je t'aime vraiment pas. Ah! Aïe, je suis immobilisé. Ok, j'ai eu Mo. J'ai pas eu Marley. Mais Marley est un peu un tricheur. Parce qu'il sait à peu près où est-ce que je vais aller. C'est quoi ça? C'est une statue de Marcus. Oh merde. Ok.
c'est parti. Vous savez quoi? On y va, go for it. Ça, c'est balèze, ça. Ça m'arrange pas non plus, tu sais quoi? Il va le refaire. Ouais, d'accord, ok. Je peux pas l'affronter au cac, ce qui est dommage, vu que j'ai un build de cac. Que j'ai plus de munitions sur... sur ça. Saleté. Brûle. Bon, l'avantage, c'est qu'il m'agresse uniquement de manière à distance en fait. Donc je peux esquiver un petit peu ses coups. Et que en solo, du coup, il est beaucoup plus simple. Allez, décède. Eh bien, brûler un petit coup là, non? Peux-tu bien brûler? Ah, voilà, bon bah. Au moins, on les a eus. Il a pété une durite, notre ami. Mais c'est une Tedior. C'est une Tedior. Si je devais prendre une arme incendiaire ou autre, je prendrais une Maliwan. Et vous aussi, chers amis, prenez des Maliwan pour les armes élémentaires. C'est vraiment ce qu'il y a de plus pété. Ok, on s'en est pas si mal sorti. Je m'attendais à leveler assez rapidement, pourtant non. Du coup, on va aller chercher les balles. Enfin, les parties, pardon. Les composants du sniper. Là, on dirait qu'il y a un gros monstre, regardez. Trouvez pas? Mais en fait, non. Ou alors, c'est un cadavre de monstre, je ne sais pas, qui est en moitié enfoncé dans le sol. Je t'ai vu. C'est marrant, les balles qui sont des projectiles. C'est pas du hitscan. Ça y est, je me souviens du mot. Hein. Ah. J'ai toujours pas de munitions. Si, j'en ai un petit peu. Tu vas mettre, je recharge moi aussi. Merci. Mais je fais ce que je veux. Voilà. Bah. Où est-ce qu'on me tire dessus? D'en dessous, hein, je doute, mais... Pourquoi certaines balles me touchent, en fait? C'est ça la vraie question. C'est une fireball qui est passée devant moi, on est d'accord, là? Fireball! Salut Sadik. Ok, ça fait debout. Elle est bien cette ce fusil d'assaut, hein, dis donc. Rien à dire. Hein. Oh, c'est peut-être plus une mitrailleuse lourde. Hein, cela dit. Ok, peut-être fusil d'assaut. Ils appellent ça des fusils de combat. Je crois, de mémoire. Vous êtes pas chiant à être en dessous, hein. Pas du tout. Hein, les autres morceaux sont là-dedans et je sais pas où, d'accord, ok, très bien. Vous êtes pas chiant du tout. Bon, toi tu me gasses les bonbons. Atlas, nice. Il a l'air mieux que ce que j'ai, mais il a moins de balles. On va l'essayer. Alors par contre, en termes de précision, il est nettement en dessous. Du coup, on va récupérer notre arme. Le glorieux massacre. Ce sera bien mieux. Je suis à 15 sur 15. Je ne peux pas récupérer plus d'objets. Pour le moment. Ok, il y en a bien un ici. Très bien. Et il en reste un deuxième. Oui, ça c'est du Maliwan par exemple. Chance d'effet accrue. Si j'étais un développeur... Si j'étais un développeur... Voilà. À côté des chiottes, forcément. Logique.
va aller voir là-bas quand même parce qu'il y a une caisse d'armes au-dessus. Et ça, c'est toujours très très cool. Alors, est-ce que vous souhaitez, dans les commentaires, dites-le s'il vous plaît, que je... Par exemple, là, on va faire le chemin retour. Il y a quelquefois du spawn d'ennemis. Est-ce que vous souhaitez que je le passe, le chemin retour, au montage? Ou est-ce que vous souhaitez que je le laisse? À vous de me le dire dans les coms du dalle, d'accord? Et ça, c'est un shotgun par rapport à mon shotgun. Il est moins bien, mais c'est un Jacobs. Normalement, les Jacobs, ça fait très très mal. Je suis full grenade. Est-ce qu'on a en dessous de 400 en termes d'objets? Écoute, apparemment, oui. Très bien. Hop, on est bon. Crac. Parce que moi, après, j'aurais plutôt tendance à faire le trajet retour. Mais après, si vous voulez que je le passe, et je le comprends, hein. C'est vrai que voir quelqu'un courir pendant 3 secondes, pendant 3 minutes, c'est un peu long. Après, il n'y a pas que ça. C'est pour ça, en fait, le truc. C'est à vous de voir. Parfois, il n'y a que ça. Parfois, il n'y a pas. Micro-trousse de soin. Je me rappelais pas qu'il y avait ces objets-là, c'est marrant. D'ailleurs, que ce soit dans ce jeu-là ou dans les autres. J'ai plein de munitions. Bon, forcément, c'est quand je dis ça qu'il va pas y avoir de respawn, parce qu'on n'a pas changé de région, j'imagine. Il y a un grand rack là-haut. En tout cas, ces deux missions secondaires sont faites. Il y aura toujours la mission qui était soi-disant difficile aussi à faire, qui était dans la Lost Cave. Donc je pense qu'on va y aller rapidement. Je ne sais pas si je ferai tout ce qui est DLC. Peut-être que je ferai que l'expérience originale. On verra. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va y avoir Days Gone, et je sais pas encore si je vais le faire, Days Gone. Il y a plusieurs raisons, principalement monétaires. Donc, à voir. À voir, à voir. Un Maliwan, non. Merci. Très bien. Alors, Teddy Or, très bon contre les boucliers. Je vais le garder, momentanément. Celui-là a l'air vachement bien par rapport au mien. J'ai vendu le lance-roquette, tant pis. Je le rachète. Et toi... Toi, j'ai envie de checker. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est un revolver. Il fait donc plus de dégâts, mais il a une moins bonne cadence de tir. Et par contre, il peut shooter les boucliers, donc ça va être intéressant, on va se baser là-dessus. Hop. Explosive et munitions, ça ne m'intéresse pas. Et on va partir comme ça, ici. On a peut-être pas tous les trucs. Ok. Il nous restera donc grenade à 5, on l'a déjà. Combat rifle à 560, on l'a déjà. Sniper rifle à 72, on l'a pas. Il nous restera donc le sniper à acheter. Ce qui est embêtant, c'est que je me rappelle plus s'il faut venir ici pour les acheter. Ça pourrait être plus chiant. On essaiera de revenir à un moment ou à un autre, juste pour les acheter. Ok, très bien. Ça c'est fait. Hey, arrange ta bagnole. Allez en haut. On va aller rendre les missions. Ça va vite, cela dit. Alors on m'a posé la question en commentaire, j'y répondrai aux commentaires aussi, mais je répondrai dans la vidéo. Quel personnage je souhaiterais jouer dans le prochain Borderlands 3? Excellente question. Ça, c'est cool.
D'accord. Ok. Je savais pas que j'allais déjà avoir accès aux artefacts. Artefact qui a disparu. Ah non, elle est là, pardon, elle est équipée ici. Autant pour moi. Il y a les classes mode aussi ici. Très bien. Mèche raccourcie, forcément. Juste pour voir en faire le test. Ouais, faudra que j'y retourne. D'accord, ok, très bien. Clé du portail de la mine, ok. Est-ce que j'ai récupéré les autres missions en cours? Oui, parfait. Donc on va aller se faire ces deux missions là. En l'occurrence, on va commencer peut-être par ceci. Qui va être plus proche. Ça va être ici, je crois que l'autre ça va être un peu plus loin. Ouais, c'est kiff kiff hein. On va commencer par la Lost Cave qui était difficile pendant longtemps et on va aller lui rouler dessus. Donc le personnage qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, c'est... alors, il y a Zayn Amara qui est la sirène de mémoire. C'est ici le colloque, la location d'auto, quoi. Tu peux la peindre avec des jolies couleurs. Flak qui est le robot. Alors il y a le robot qui m'intéresse beaucoup. Et il y a... Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle? Un instant. Ok. Deux secondes. Hop. Moose, pardon, voilà, c'est ça. Moose, j'aime beaucoup avec son mecha. J'aime vraiment beaucoup. Et je me tâte entre Flak et Moose. Que j'aime bien aussi le principe d'avoir des pets, c'était là-haut. De Flak. A voir maintenant ça. Voilà, couché. Alors, il m'a lâché quelque chose, on va aller voir. Ça me permet d'essayer le fusil à pompe. Voilà. Il est efficace, il a que deux balles dans le chargeur, mais... il en faut pas plus. Voyez. Hop, et ça c'est un Maliwan. Ah, il est niveau 7, cela dit. Donc effectivement, tout ce qu'on va ramasser dans cette zone va être bien moins intéressant. On va faire un test au passage. Est-ce que si j'approche ça... Hop. Est-ce qu'il sera encore là quand je vais revenir? Je crois pas, normalement. Ok, on est parti. Ça va chier. Ok, déjà... Toi, je... Mais... C'est des mobs de... Alors, c'est des mobs du boss de fin, étrangement. Non ? Vous êtes solide, dis donc. C'est le soin qui fait ce bruit là. Mais c'est glauquissime. Ok, donc les cristaux électriques. Il faut que j'en fasse spawner là-dedans, mais alors comment? Ah d'accord, trouvé. Ok, j'en ai 5, très bien. Ok, c'est pas bruyant du tout ce qu'il y a dans cette région. Ça m'éclate les oreilles. Ils m'ont bourré dans le coin. Ouais bah du sang. C'est rigolo, je m'attendais à ce que tu fasses beaucoup plus de dégâts moi. Hein. Garde la goule bien ouverte, t'as raison. Ça continue à venir.
Santé. Ah. Ah, c'est pas streamer friendly, hein. Vache. Ok. Oh bah non. Oh. Ah. C'est très dinerie. Ok. Bon bah ça va pas être si simple. J'ai dit que j'allais rouler dessus, hein, le karma. Vous en avez tous déjà entendu parler du karma. Ah bah le voilà en action. Je suis sourd. Je suis littéralement sourd. Ah. Oh la vache. Je suis sourd. Je sais pas si c'est dû à un système de son amélioré et l'écho de la cave. J'imagine que c'est ça. Et je veux pas être méchant envers le jeu. J'adore ce jeu. Avec mon meilleur ami, on a une super histoire autour de ce jeu. Je l'ai déjà dit un million de fois, hein. Hop. Si je devais faire un jour un Draw My Life, il y aurait sans doute ce jeu dedans. Ok. Un adulte, c'est pas extrêmement chaud. Sésame. Moins bien. Moins bien, très bien. C'est clair. Ok, salut les mecs, si vous restez là, c'est très bien. Ouais. T'es monté sur ressort toi, c'est pas possible. Il y en a qui tentent de faire le tour. Ok, il décède. On va aller voir celui qui était tendu. Ah, j'ai plus de munitions. Le plus malin, j'allais dire, mais. J'ai une map. Ok, donc autant aller par là. On aura une mission à faire, sans doute un claptrap en plus. Bien tenté. Bah ils sont plusieurs. Pourquoi je veux absolument zoomer? J'ai un shotgun. Pourquoi je veux zoomer? Habitude de The Division sans doute. L'avantage c'est qu'à... à deux balles par deux balles. Ils m'ont poussé encore dans le caillou et c'est chiant. Ok, vous me gonflez. Vas-y, 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 continuez à venir. Continuez à venir, j'ai pas peur, moi. J'ai pas peur de vous, moi. Plus, donne-moi plus. Voilà. Correction. Et donnée. On va continuer à rendre le cooldown encore plus rapide. Intéressant. Comment ça, je l'ai déjà récupéré? What? Ok. Je l'ai déjà récupéré sans doute parce que j'ai passé un level peut-être. Tout simplement. Alors, là-dedans. C'est pour moi. Aïe. Ouais, non, bah finalement, c'est un Hyperion, cela dit, c'est bien. Ok, voilà, récupérer les trucs là-bas. Je suis complètement sourd, hein. Je sens que mes oreilles en ont pris un coup. J'ai bien baissé le son pourtant, mais... Je sais pas vous comment ça va être. Je pense que je vais enlever au moins 10 décibels en plus au truc.
rappeler. C'est un clap-trap. Ce qui implique de l'emplacement d'inventaire supplémentaire. Ou un emplacement d'armes peut-être. Ok, très bien. Ce que les scagons chier. Non mais... LOL. Ce que les scagons chier. Mais lui c'est un comique lui. C'est un gros comique ouais. Ok si tu veux. Très bien. Caisse de loot. C'est mon truc. Que du blanc, tu te fous de ma gueule. Ok. On va vite fait aller voir la map. Voyez. Donc je vais partir par derrière d'abord. Même si je dois bien admettre que ce genre de ligne droite me ferait plutôt penser à un truc à la fin qui soit un peu plus solide que prévu, mais écoutez, on n'est pas à ça près. Ou peut-être une autre quête secondaire à faire dans le coin, plus tard, ou... Okay. Il est moins bien. Ok, bah... Autant pour moi, en fait. On y va, on continue. J'ai pas rechargé. Je recharge. Extrêmement important d'avoir des armes rechargées. Va voir ailleurs si ton... T'apprendras à avoir un bouclier, toi. Par contre, je comprends pas pourquoi je te rate à chaque fois. J'ai plus d'armure. The fuck? Ouais, enfin, elle est vraiment... Overall, elle est vraiment mieux, la... La mitrailleuse, hein. La moissonneuse-batteuse. Ok, problème résolu. Très bien. Ah, il y en a encore à tirer. Ça se trouve, depuis le début, j'en ai loupé un paquet comme ça. Alors, je refasse tout le tour. Donne à papa. Allez, donne à papa, te dis-je. C'est bien. Cartouche. Bon, apparemment, ce coin-là, il est fait. Un point de sauvegarde, encore. Ok. Très bien. Continuons. Des scags. Principe. Ça c'est pas un jeune skag ça. Ok, il est mort. La brutasse est décédée. Touché. Ok. Putain, ils sont encore nombreux. Grenade. Ils vont être trop... Ah bah finalement non ça va, tout va bien. J'ai régène. Comme prévu. C'était le but à la base. Quand j'ai vu les skags. Ok. Très bien. Nous sommes à 43. Ça progresse. Non j'aurais dit qu'il y aurait eu des ennemis genre juste devant moi maintenant là. Ah ah! 48! On n'est pas laissé, on est d'accord. Genre, vous voyez qu'il spawnerait de là, quoi. Ah bah! Ça, c'est dégueulasse! Ça, je ne suis pas d'accord. Da fuck.
Je vais pas mourir là. Oh le pauvre. Par contre j'aurais bien aimé comprendre ce qui m'a tué. Mais bon. Je peux à moins que si la quête est finie. Ah oui la quête est finie, très bien, autant pour moi. Il me manque la pièce, la fameuse pièce aussi de notre ami. Voilà. Ok, il y a un gros briseur niveau 16. On va pas se laisser faire. Allez. Venez soigner papa. Merci. Si tu veux. On badigeonne les couilles avec le saint pinceau de l'indifférence. Ok. Bon, la pièce est là. On l'a, on pourra la donner à Claptrap quand on repassera. Jusque là. Ouais, ça veut dire que le boss, on va l'affronter sans... C'est fini ? Ouais, non, c'est pas fini. T'es un peu trop solide, toi. Si je puis me permettre. Ok. Très bien. Continue à spawn, ça me dérange pas. Aïe, quoique ça me dérange. Officiellement ça me dérange maintenant. Ok, il y en a... C'est-à-dire qu'il n'y en a plus qu'un. Tant pour moi, il y en a un qui avait l'air plus ou moins immobile. Lol. Lol, il m'a carrément éjecté de l'autre côté de la... Bon, cela dit, ça m'arrange. Et pas en même temps. Très bien, vas-y, tue-moi. Merci. Ça m'arrange ou pas? S'il faut que je refasse tout le tour. J'ai vu qu'il y avait plein de caisses de loot dans le fond, je vais pas les laisser derrière. Un fusil à pompe, il est moins bien que le mien, très bien. Le loot, c'est la vie. Et c'est pas pour rien qu'ils m'ont passé 1,5 million de munitions de tout et n'importe quoi. Allez. On n'a pas d'armes incendiaires. Peut-être ça notre problème alors. Ok, lui il a bouffé. Il y en a encore. Hein. Ok, salut. Décède. Ok. Il en reste encore. Merde. Ouais bah pour moi aussi c'est dur à encaisser tu sais. Ok. On en a eu deux de plus. Il y en a combien dans ce truc? C'est bon? Oh l'armée quoi! La putain d'armée! Oh du... C'est radin hein, dis donc hein!
Ah, alors ça déjà, ça va être intéressant. Les transfusions, mais je les ai déjà. Peut-être qu'ils ont un Torg. Ils sont moins bien que les miens. C'est un vrai problème. Parce que l'avantage du Torg, en fait, c'est qu'avec 30%... En fait, la régénération que j'ai de vie en mode furie dépend du nombre de PV totaux que j'ai. Ce qui implique que plus j'ai de PV, plus ma régénération de vie est importante. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui veut donc dire que, bah, plus je régène, plus je suis immortel. Tout simplement. Hop, et on a des modes, des emplacements en plus. Pardon. Très bien. On va aller revendre tout ça. Ressortir. Et refaire les autres quêtes. Est-ce qu'on a encore une quête secondaire à faire dans le truc? Ouais, on en a encore une. Hein. Red Zyben. On va aller la faire avant de devoir revenir, je pense. Sinon, ça va faire un trajet en plus et on aurait vraiment... Vous voyez, je parlais de respawn. Casser le... Voilà. Alors toucher l'œil et c'est bon. Le seul et unique œil qu'ils ont suffit à pratiquement les one-shot. Je sais pas si je vais aller chercher Red Zyben. Ah. Très bien. Du coup, j'ai assez de thunes. Et je les ai tous. Très bien. On est parfait. Parfaitement parfait. C'est un Atlas. Ça m'intéresse pas. Même si Atlas, c'est pété. Je crois que tous résistent à l'électricité. Ce qui en fait donc d'excellents boucliers contre ces ennemis qui sont capables de les ôter, soi-disant, très rapidement, finalement. Puisque l'électricité, ce sont les dégâts qui font... Votre bouclier tombe le plus vite possible. Très bien, en fait, il n'y avait pas de raison, vu qu'en fait, juste à côté, il y avait un truc. Très bien. C'est bien fait, le jeu est bien fait. On va aller rendre, finalement. J'ai douté, vous savez. Hop là. Ouh, ça, c'était pas prévu. Mais finalement, on va aller rendre ça en ville. Oui. Hop! Crac! Voyons voir ce qu'on va obtenir comme loot. Grâce à vous, plus aucun bandit. Artefact électricité, d'accord. Ok. Très bien. Alors, l'artefact électricité est intéressant. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de réduire les shields au corps à corps, ce qui est pas si simple. A voir si j'ai envie de l'utiliser. Ça me l'a bouffé d'ailleurs. Ah d'accord. Ah non, ça me l'est, d'accord, je peux les mettre si je veux. Ok, c'est des apprentissages, très bien. J'ai pas vu de level, donc on va se laisser là pour cet épisode les amis. Et moi je vais aller directement faire le trajet jusqu'à notre ami Raid Zane. Et je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens et yop!